Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous propose une vidéo au potager pour cette saison. Jusque-là, c'était très compliqué. Comme beaucoup d'entre vous, c'est pas la meilleure des saisons chez nous. Voilà, on a eu énormément d'eau, des températures très très fraîches. Donc, il y a des cultures qu'on a mis de côté. Il y en a d'autres, à cause des limaces, on a dû s'y reprendre à deux, trois fois. Donc, sincèrement, on a vraiment failli baisser les bras cette année. Mais bon, il se passe quand même de belles choses, et notamment sous les structures couvertes. Donc, je vous propose aujourd'hui un petit tour de nos deux structures à légumes du soleil. Allez, c'est parti pour la balade. Tunnel numéro 1. Donc, je vous l'ai déjà présenté, hein, mais pour rappel, le tunnel fait moins de 2 mètres de haut et c'est un tunnel ouvert. Pour nous, c'est la meilleure chose pour cultiver les tomates en extérieur, un bon compromis entre une serre complètement fermée et le fait de laisser les plants complètement en extérieur. Donc, l'avantage de ce tunnel, c'est que les tomates sont abritées et par contre, ça ventile super bien. Pour nous, la recette anti-mildiou, si je puis dire, c'est une bonne ventilation, des plants assez correctement espacés pour que ça puisse ventiler entre les plants et un sol super, super riche, super nutritif. Voilà, donc pour démarrer la visite de cette première structure, donc au milieu, on a un rang de tomates andines cornues. Alors, si vous nous suivez, vous savez que l'andine cornue, c'est notre chouchoute depuis quelques années au potager. Parce que c'est une tomate qu'on trouve, c'est le meilleur compromis entre toutes les variétés qu'on a pu tester jusque-là. C'est une tomate qui se tient super bien tout au long de la culture et en conservation et en cuisine. Donc, elle passe aussi bien en salade, qu'en cuisson, qu'en bocaux. Donc le top pour nous. Donc comme c'est notre chouchoute, sous ce premier tunnel, on a uniquement de l'andine cornue. Et en plus, les plants sont pas très très hauts. Généralement, voilà, le tunnel fait moins de 2 mètres et les plants à chaque saison arrivent à peu près quasiment en haut, mais vont pas non plus forcer. Donc ça aussi en culture, je trouve que c'est un plant assez assez facile, une variété assez facile. Alors toujours nos petits œillets entre les tomates. Alors cette année les œillets, ça a été une lutte parce que même à l'intérieur du tunnel, on s'est fait dégommer les plants d'œillets avec les limaces. À côté des tomates, on va avoir les poivrons. Voici les poivrons. Alors, plan de l'année, toujours avec des œillets. Et ça, petit retour d'expérience, c'est un plant à qui on a fait passer l'hiver en pot en serre froide. Alors, il est un peu dégusté, on a dû le tailler, mais il a bien passé l'hiver en serre froide et on a déjà de jolis poivrons en formation, alors que les plants, surtout cette année, les plants de l'année, c'est un peu plus compliqué pour eux, même s'ils sont jolis, hein, je suis bien content, il y a de la fleur, ça va arriver, mais le démarrage a été un petit peu plus délicat pour eux. Et de l'autre côté, dans la même logique, même retour d'expérience, ça, c'est un plant de sucette de Provence, petit piment, pareil, à qui on a fait passer l'hiver en pot dans notre petite serre froide, et ça s'est bien passé. Donc voilà, les piments sont déjà là. À côté, on aura nos aubergines, aubergines monstrueuses de New York pour le test de cette année. Et voilà pour notre premier tunnel. Structure numéro 2, abri numéro 2, donc là il y a uniquement de la tomate. Sur la gauche, encore une fois, que de la cornue, on optimise. Pour rappel, c'est des semences de chez nous, qu'on garde depuis quelques saisons. Ici, on aura de
petit test pour cette année de la miel du Mexique. Voilà, on avait très très envie de tester cette variété et il nous tarde de pouvoir y goûter. À côté, bon, un plant qui s'est pas trop bien développé, mais qui a de la tomate. Ça, c'est de la noire de Crimée. Hop, à côté, noire de Crimée également. Alors, je pense pas garder les graines cette année puisque les plants sont un peu rachitiques. Pourtant, ils ont été logés à la même enseigne que les autres. C'était pourtant aussi des graines de chez nous. Mais bon, voilà, comme quoi, ça fonctionne pas toujours comme on veut. À côté, on aura de la tomate ananas. Voilà, deuxième année pour la tomate ananas. Ça, on adore. Alors, tomate un peu grosse, hein, pas toujours évident, je trouve, à emmener correctement jusqu'au bout et à garder. Mais par contre, en goût, c'est excellentissime. À côté, également, de l'ananas. Hop, ici, de la marmande. Pareil, une variété qu'on garde depuis quelques saisons. Hop, un deuxième pied de marmande normalement à côté. Et puis, dans la continuité, un test pour cette année de la tomate blush. Alors la blush, vous êtes quelques-uns comme nous à suivre les aventures de Picro. Et l'année dernière, il nous a vraiment fait saliver avec la blush. Donc, petit test pour cette année. Pareil, trop hâte. Et donc voilà, les plants de tomates pour cette année. Ah, et là, à la fin, magnifique plant également de tomates miel du Mexique. Au moins, les tomates, c'est une culture qu'on aura réussi pour cette année. Bon, on n'a pas encore commencé à récolter et ça va être un petit peu plus tardif que les saisons précédentes. Mais logiquement, vu ce que vous venez de voir, il n'y a pas de raison, on va manger de la tomate en 2024. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous, parce que je sais que pour beaucoup, ça a été très compliqué. Qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit sur notre manière de fonctionner ici? Je remets tout le temps les mêmes tomates au même endroit. Évidemment, quand on fait des structures couvertes, c'est compliqué de faire une rotation des cultures. Donc nous, on part du principe que de toute façon, avec une structure bien ventilée, des tomates relativement bien espacées, un sol bien riche, logiquement, les plants seront assez résistants. Et puis de toute façon, si les conditions sont favorables au développement du mildiou, c'est qu'on doit attraper le mildiou, point barre. De toute façon, si la saison n'est pas bonne, si c'est pour manger des tomates hyper fades et c'est pas la peine de faire des tomates. Donc quoi qu'il arrive, on ne traite jamais nos tomates. On va apporter régulièrement de la matière au niveau de notre sol. Et voilà. Si cette année quand même on s'est fait manger même des plants de tomates par les limaces, d'ordinaire on n'est quasiment pas embêté avec les limaces, mais là cette année même au niveau des tomates ça a été hyper compliqué. On a dû replanter de plants, aller à peu près sur une vingtaine de plants, aller presque la moitié, on a dû les changer dans la première quinzaine d'implantations. Voilà, donc vraiment, quand je dis que cette saison est compliquée, c'est rien de le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. On vous tiendra au courant de la suite des événements pour cette culture. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos au rucher, au potager. Ciao, bye bye.